Yo les rageurs, aujourd'hui on continue notre tournée des coffrets avec figurines. Abonnez-vous, likez, partagez car dorénavant, quand j'ouvre des boosters, je vous offre les QR codes. Et oui, mais pas que. J'en vous en offre 5 supplémentaires, ça peut être au début, au milieu ou à la fin de la vidéo. En tout cas, c'est à vous d'être attentif et de la regarder du début à la fin. Et surtout, d'activer la petite cloche de notification, car les premiers arrivés seront les premiers servis, bien évidemment. On va s'ouvrir le coffret Marchado immédiatement, à tout de suite. Du coup, dans le coffret, nous avons la carte promotionnelle de Marchado, avec le petit côté holographique et les points là, j'adore ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, j'ai oublié la dernière fois de vous montrer le Necrozma. Il est plutôt stylé aussi. Avec ça, nous avons la figurine de Marchado que je trouve extraordinaire. Elle est géniale, elle est super bien faite. Moi, je kiffe. Hop. Le petit code promo que je vous ai promis. 4 boosters, dont un évolution, un invasion carmin et 2 tempêtes célestes. La petite carte promo, je vais la mettre là. Et c'est parti, on va s'ouvrir l'évolution en premier. Deux, trois. Une, deux, trois. Trois. Cette fois-ci, j'oublierai pas. Hop. Alors, lien spirituel de Roucarnage. Nidorino. Échange. Chenipan. Soporifique. Magikarp. Electek. Ratata, Crisacier en reverse et pour terminer nous avons un Ratatak en rare. Il n'y a pas eu grand chose dans cette évolution. Invasion Karma, la série que j'ai le moins appréciée de Soleil et Lune. 4 et on est parti avec une énergie type métal, poche de course, Spectrum, Elzamina, Remoraid, Magikarp, Nounourson, Neuneuf, Rondoudou, Excavarène en reverse. Et pour terminer, nous avons un Ectoplasma. Alors ce Ectoplasma-là, je l'aime bien. Il est très bien fait en holographique. Tempête Céleste. N'empêche, les ouvertures de coffrets comme ça, c'est très court. C'est pas pour me plaire, forcément. Mais là, j'ai pas vraiment le choix, en fait. Énergie à type fée, Vélocross, Super Rappel, Boostiflore, Granny Pot encore. J'aime bien cette illustration. Terral, Palichombre. Et derrière, nous avons... Oh, c'est pas fini. Kecleon en reverse. Et pour terminer, un Volcaropod. Quatre. Voilà. Énergie, feu. Galifeu. Lévi et Tatia. Nos Cacturnes, pardon. Mimigal. Poussifeu, Paricool, Palichombre, Arco, Limagma et pour terminer, nous avons un Brouabam. Alors, avec le peu de choses qu'on a eu, on a rien eu. Ça, je m'y attendais un petit peu parce que, bon, voilà, c'est un petit coffret de 4 boosters. En même temps, si tu trouves une arc-en-ciel ou une full art, c'est que t'as vraiment de la chance. Bref, je vous propose d'ouvrir un second coffret, donc celui de Sylvalier, tout de suite. Alors, avant de l'ouvrir, puisque j'ai déjà pris, je vous montre les QR codes des 4 boosters précédents. Je vous avais dit, ça allait être totalement aléatoire. Donc, vous avez celui du Tempête Céleste, celui d'Évolution, celui du Soleil et Lune, Invasion Carmin, et à nouveau, celui du Tempête Céleste. Je vous présente quand même le coffret du Sylvalier avant que je l'ouvre. J'essaye de le reculer au maximum. Voilà. Bah, on s'en fout du prix. Hein. je voulais enlever l'étiquette, ça me gênait un peu. Mais après, je me suis dit, bon, je vais le jeter à la poubelle, de toute façon, le coffret. Alors, voici la carte promotionnelle. Toujours avec ce petit côté holographique que j'aime bien.
Avec, il y aura la figurine de Sylvalier. Alors, je ne suis pas fan de Sylvalier en particulier. Je trouve que c'est une erreur génétique. Voilà. Et le petit QR code collection avec figure. Et bien évidemment, avec les 4 boosters. Alors, avance, on va commencer avec l'évolution. Voilà. 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3. Chrysacier, lien spirituel, Florizarre, Magmar, Kaninos, Rattata, Electek, Magikarp, Soporifique, Kaninos en reverse. Et pour terminer, nous avons un Canard Tichou. Bon, ça change pas vraiment de la pioche de tout à l'heure pour l'instant. La petite, petite code de promo. Énergie plante, Spectrum, Diamat, Tritosaur, Sapeuroux, sans coquille, Aspicot, Neuneuf, Titrouille, Banchitrouille en reverse et pour terminer, un Altaria. Pardon. Le Tempête Céleste. Énergie, Feu, Solarock, Donphan, Vigoroth, Whelmer, Terral, Spoink, Balbuto, Goélis, Échange d'énergie. Et pour terminer, on a un Elexprint. Et dernier booster, ah, franchement, 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 le petit QR code. Et je rejoins certains collègues qui n'ont pas de chance en ce moment. C'est, vous n'êtes pas seul. Énergie type combat, Boostiflor, Copain Ball, Misdibule, Onyx, Coquiperle, Ninupiot, Fampi, Goélis, Deoxy en reverse. Et pour terminer, on a une petite GX de consolation, un vieux trépassable. Oui, comme dirait la carte, l'ouverture était trépassable. Franchement, écoutez, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu un minimum. Il reste deux coffrets à ouvrir, Ultra Necrozma, Aile de l'Aurore et le Méga Rayquaza que j'attends avec impatience. Ça me rappelle beaucoup de nostalgie quand je vois ces cartes X et Y, bon, peu importe qu'elles soient en anglais ou pas. En tout cas, on se retrouve très bientôt. A plus tard sur Godrich TV. Ciao!